faire mal à son ancienne équipe. Alors on sait que Julien Desrosiers est toujours un petit peu motivé. Là, il y avait une interview, il avait beau dire non, c'est un match comme un autre, mais je pense qu'il y a quand même toujours un petit quelque chose. Hein. Et la Malcala qui prend 2 minutes. Alors, c'est sifflé un peu à retardement, mais je ne sais pas s'il avait toujours le palais ou pas, le Bordelais. On lui siffle une charge à la tête, me semble-t-il. Ouais, on vient de revoir le replay. Là, c'est bon. Effectivement, il lève les bras un petit peu haut. Ouais, mais charge à la tête, ça va être. Non ? Il n'y a pas un substitut ? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà, tout à l'inverse de la première période. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les sifflets, sur les pénalités sifflées ou non sifflées. Et là, voilà. Et apparemment, c'est le juge de ligne qui est allé rapporter, parce que Damalka est en train de s'y prendre à lui, là. Je pense que c'est le juge de ligne qui est allé rapporter à l'arbitre principal, enfin l'un des deux aides. Mm-hmm. Bon, enfin, du coup, le Rouennais est privé de Damalka pendant 10 minutes, pendant 12 minutes même. Ouais.